n'a précisé la partie de l'ASPA. On va rappeler au peuple haïtien, acteurs politiques traditionnels, ils ont dit, depuis le président Jovenel Moïse qui débrouille, Haïti va tourner Manhattan. Yo te di, pas de kidnapping, pas de insécurité. Même leader traditionnel, nous ne pas attendre de voir dans le dernier moment yo là, pendant si vous ne pouvez pas remettre pour monter le volume insécurité, monter le volume kidnapping, descendre le volume insécurité. Descendre le volume kidnapping, viol, assassinat, nous partons de voir l'idée traditionnelle de Sayo qui te dit si Jovenel Moïse pas là, Haïti va tourner Manhattan. Pas de kidnapping encore, pas de insécurité. Nous partons de voir l'idée traditionnelle de Sayo. Dans toute calamité, peuple haïtien a connu dans le dernier moment. Si marché prend marché public, madame Sarah, yo pas qu'on qui sait pour prier avec l'argent pas qui n'a pas. Commerçants dans le secteur informel là, l'argent banque qui n'a pas, pas qu'on qui s'est approprié parce que yon pas capable d'aller dans le marché public. Nous pas attendez, voir leader traditionnel qui te dit si Jovenel Moïse pas là, Haïti va tourner Manhattan. C'est ça que fait. Nous-mêmes, dans le parti de l'ASPA, nous menons les peuples haïtiens pour le cas léger, pour comprendre que toute bataille que nous avons fait dans le pays, ce n'est pas une bataille pour améliorer les conditions de la ville, mais c'est une bataille pour défendre ses intérêts personnels. Nous dit pas haïtien, râlez plus mou, marquez. Sauf que, Nathieu, parti de l'ASPA, c'est parti par là. Il a toujours campé avec vous. Il a toujours accompagné vous pour Jovenel Moïse, jouer une justice. Bien que nous ayons un pile d'inquiétude. Pour Jean-Pierre Yaï là, si pas que Chita attendait, entre tout Haïtien qui a une petite conscience, eh bien, moun fait carré assassiné dans le pays. Parti plus pas profiter de même occasion ça. Pour nous faut-il parler avec la communauté internationale là. D'abord rappeler pour la communauté internationale là, Haïti c'est membre fondateur de l'Organisation Nations Unies en 1845. Alors, en 1945. Et Haïti a joué un rôle important dans la rédaction de la Déclaration universelle de l'homme.
grâce aux efforts inestimables du feu Émile Sénlo, l'éminent sénateur de la République. Donc, à travers l'ONU, Haïti est membre de la communauté internationale. Et l'ONU a une mission pour garantir la paix publique, non, à travers tout le pays qui m'a mis. Je dis à Haïti, en tant que membre fondateur des Nations Unies, peuple haïtien en danger, qui a un problème de sécurité. L'ONU est redevable, la communauté internationale à travers l'ONU est redevable à l'égard du peuple haïtien. Et nous, parti plus pas, sentir indigné par rapport à comportement de mépris que communauté internationale a gagné à l'égard du peuple haïtien. Parti ne passe pas indigné. Parti ne passe pas quoi si communauté internationale là a une volonté pour accompagner le peuple haïtien dans la calamité qu'il y a là. Phénomène insécurité, kidnapping, chômage, grand goût. Que c'est le dialogue inter-haïtien avec tout haïtien qui a une conscience que la crise haïtienne n'est pas capable d'arriver plus loin. Et si pas de dialogue inter-haïtien, ça n'a mené le pays vers une catastrophe politique. Pour finir, parti principal, en tant que signataire de l'accord du 11 septembre 2021, pour dégainer une gouvernance apaisée pendant une période intérimaire après assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, nous décidons à quoi ça, c'est justement pour dégainer un apaisement politique dans le pays, pour dégainer un apaisement social dans le pays, pour dégainer, pour résoudre le problème sécurité. Vous avez un gouvernement qui est inclusif, vous avez un autre conseil électoral qui est inspiré, acteurs politiques qui ont confiance. Nous estimons que PM Ariel Henry a marqué Maké Pa en place avec accord que vous avez présenté par tout secteur du pays. Ce n'est que hier, PM Ariel Henry prend une décision pour un changement qui fait dans la tête de police là. Parti de pas seulement pour un acte, n'a un résultat dans le nouveau chef de police là. C'est le résultat que nous avons. Sous base, parti de pas en tant que signataire, accord. 11 septembre 2021, mandé PM Ariel Henry pour prendre toute disposition pour mettre accord 11 septembre 2021 en application. Que c'est le dialogue inter-haïtien avec tout haïtien qui a une conscience que la crise haïtienne n'est pas capable d'arriver plus loin. Et si
pas de dialogue inter-haïtien ça. N'a mené le pays à faire une catastrophe politique. Pour finir, Parti principal, en tant que signataire de l'accord du 11 septembre 2021, pour dégainer une gouvernance apaisée pendant la période intérimaire, après l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, nous décidons à quoi ça, c'est justement pour dégainer un apaisement politique dans le pays, pour dégainer un apaisement social dans le pays, pour dégainer, pour résoudre le problème sécurité, pour dégainer un gouvernement qui est inclusif, pour dégainer l'autre conseil électoral qui est inspiré, acteur politique, yo, confiance. Nous estimons que Père Marielle Henry a marqué marqué pas en place avec accord que tu présenté par tout secteur de pays. Ce n'est que hier, Père Marielle Henry prend une décision pour un changement qui fait dans la tête de police là. Parti de l'espace, nous prenons acte. Nous avons un résultat dans le nouveau chef de police là. C'est le résultat que nous avons. Sous base, parti de l'ESPA, en tant que signataire, accord 11 septembre 2021, mandé PM Ariel Henry pour prendre toute disposition pour mettre accord 11 septembre 2021 en application. Faut que PM Ariel Henry remplace tout magistrat qui n'est pas capable de faire travail le peuple là, que PM Ariel Henry remplace. Et ceci, ça met du temps. Faut gagner un autre conseil électoral après le gouvernement fin de monter et pour problème insécurité, kidnapping non, résoudre. Nous-mêmes, nous voulons aller à l'élection. Votre pays a retourné à l'ordre constitutionnel pour qu'il y ait des autorités qui gagnent légitimité pour adresser le problème du peuple haïtien. Merci. Il n'a pas gagné ni de l'histoire pour le faire. C'est accord 11 septembre 2021 pour le mettre en application pour qu'il y ait un gouvernement qui est plus inclusif. Avec des personnalités qui gagnent sensibilité populaire, pendant l'appliquer accord 11 septembre, pendant la mettre un gouvernement qui plus inclusif en place, la continuer à tendre la main par tout notre secteur dans le pays, même qui ont une petite conscience. Bon, bon monde qui va jamais gagner conscience, équipe, sénat, chaque situation est là, c'est pour ça que je sens confortable. C'est là que je fais plus l'argent. C'est là que il y a une pile d'insécurité. C'est là que je fais plus l'argent. Nous-mêmes, nous demandons, la partie de pas application accord 11 septembre 2021. Pour gagner un autre gouvernement qui est plus inclusif, un autre conseil électoral, pour adresser le problème d'insécurité, et pendant tout ça, à faire, Père Marielle Henry a continué à tendre la main par tout notre secteur dans le pays, même acteur qui gagne une petite conscience. Dans situation. Bonsoir tout le monde, nous sommes contents pour nous capables de rejoindre nous dans la dernière sortie pour la semaine. Nan. Et moi-même, c'est vers Mackinson ensemble avec Sonny Eliatus. Nous parlons de bon moment, nous parlons de football et pourquoi pas
Basketball, nous saluons Kenny ensemble avec Dalens qui a moyen bouton pour nous et Stéphane Pierre a pas fait toute coordination. Bienvenue tout le monde qui est en bas live, hein, son plaisir pour nous capables de rejoindre nous sur la plateforme Fernando Live dans Anpal Sport. Bonsoir. Bonsoir Mackinson, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous capables de présent après-midi pour ce qui est dernière sortie en bas sport sur la plateforme Facebook Fernando Live. Nous espérons. Pour parler en pile boule, puisque le week-end est vraiment chargé, c'est le week-end des classiques. Week-end est peut-être chargé, week-end classico, week-end choc, qui donc c'est pas le week-end, et qui va rempli ensemble avec gros match de football, et qui t'a supposé, et faire nous-mêmes, si c'est pas bon ici, vivre un bon moment dans le football là. Donc, nous avons pour nous capables de faire le point sur le classico et capable pour faire dans le pays d'Espagne, Barcelone, Real Madrid. Et nous avons pour nous capables de regarder ça en détail. Et pourquoi pas en France, et pas, puisque Paris gagne par Saint-Germain, et capable pour jouer contre l'équipe Marseille, Marseille qui a perdu plume. Dans le championnat européen, Marseille 3 sorties, 3 nuls. Donc, Marseille quelque part qui nul. Et bien, nous avons pour nous capables de regarder ça ensemble. Nous avons bientôt et pour nous regarder quelques chocs qui a fait tout dans le pays de l'Angleterre. Pourquoi pas, nous avons pour nous analyser les matchs qui a bien important dans 5 championnats majeurs européens. Nous avons gagné et pour nous capables. Et faut un petit coup de parler de Karim Benzema, puisque il y a Carlo Ancelotti, qui c'est coach là. Ceux qui parlaient de Carlo et de Karim Benzema, pardon. Et Karim Benzema, je dis, ce n'est pas ni lui-même ni Karim Benzema pour le ballon d'or, mais pour lui-même. Et Karim Benzema, c'est une favori et pour capable de remporter Edison ça. Et puis, hier soir, il y a eu plusieurs matchs au basket. Nous avons fait un petit basket. Petit jeune nous fait là et avec un pilote information qui va le faire essentiel et dernière sortie pour cela. Justement, on va parler en pile boule. Je vais nous annoncer notre titre là, Exactement. Mackinson. Et week-end, ça va vraiment gâté avec un pile gros match, bien entendu, et sur le papier. Et puisque et des équipes qui pas vraiment dans forme habituelle yo ça a été présenté et dans le temps par exemple yon classique et Marseille Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain depuis plus passé bon depuis environ 10 ans c'est équipe dominante dans Ligue 1 c'est équipe qui remporte plus titres. Malheureusement pour Marseille, yo pas jamais capable de joindre yon effectif pour yo capable de rivaliser l'équipe parisienne malgré l'arrivée de Franck Makout comme responsable équipe ça qui gagne en pile l'argent mais li pou capable d'amener les pions ensemble avec les dirigeants parisiens yo capable de remettre Marseille sous rail même Jean Satellier avec et président et Marseille malheureusement qui s'est mort dernièrement qui grâce à lui et qui était bien à tapis grâce à lui qui devrait le permettre à Marseille remporter et Coupe d'Europe et Ligue des Champions bien entendu en 1993 et donc et Marseille pas et yon force de frappe pour être capable de bailler du fil à retordre avec l'équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui renforce la saison ça avec l'arrivée de plusieurs joueurs importants. Latin yo, Léo Messi, passé des présentations, Achraf Hakimi, ou Donnarumma. Malheureusement, c'est Thuram Ramos qui pourrait jamais capable de jouer. Et Wijnaldum qui est. Yon poste inhabituel en équipe Paris Saint-Germain qui c'est yon remplaçant et yon prend Nuno Mendes qui sont jeunes latéral très intéressant et
avant, il y a déjà gagné, les Neymar qui l'ont Mbappé, et bonne nouvelle là pour eux, Neymar qui guérit au niveau d'addicteur, et qui a gros problème au niveau d'addicteur, monsieur qui est capable de prendre ça. Donc, l'Oral joue avec une équipe qui est remplie à deux joueurs des niveaux de classe mondiale, et puis pendant ce temps, et c'est dans Dimitri Payet, etc., c'est joueur ça qui gagne, et faut que l'équipe ça est capable d'unir, faut qu'il soit capable de solidarité énorme, faut que capable jouer au match à cœur, match à vie, ou tu es capable de défier l'équipe Paris Saint-Germain, même que jusqu'à date, l'équipe Paris Saint-Germain beaucoup fait peur, l'équipe Paris Saint-Germain beaucoup joué. Et alchimie, il faut comprendre, mayonnaise, il faut comprendre, ou l'équipe, il faut gagner un fond de jeu qui définit, malgré le gain joué ça. Et d'ailleurs, nous, dans le championnat, il y a des petits poussins qui défient Paris Saint-Germain et qui fait nul à Paris Saint-Germain, qui battent Paris Saint-Germain. C'est pour vous dire que si l'équipe a massé avec un coach et qui s'est ajouté en Sambaoli et qui pour jouer qui basé à l'offensif, si il est capable de demander beaucoup plus de sacrifices, à mon avis, il est capable de faire un gros bout de match avec l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, et c'est un week-end vraiment extraordinaire en Angleterre. Nous voyons le jeune Navin sous tout ça. Nous voyons le jeune Liverpool, Manchester United, qui est classique en football anglais. Et en Italie, Juventus Inter de Milan. Et Barcelone Real de Madrid. Donc, l'Opre Barcelone jeudi, ou pour Marseille jeudi, ce n'est pas même équipe Yoteye avant, même que Marseille a une longue durée, depuis le pas jamais capable de présenter trop de choses. Barcelone, dernier temps, ça n'a pas bon du tout. Le Bralouin, comment ça, lui-même, le Bralier. Exactement. Exactement. Et nous avons prêté en France, puisque Marseille et le Bralier sont capables, et bien sûr, être croisés. Et il a fait l'autre dans l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, il y a un duel et Mauricio Pochettino argentin et Sampaoli argentin. Qui, donc, c'est deux argentins qui prennent le sous-bande toujours. Et Dimitri Payet et à la baguette pour et Paris, alors pour Marseille. Par contre, il prend le gain. Et Trident, Neymar et Kylian Mbappé, Messi, même leur ça le monde attend de tri dans ça, lui pour au fait. Ouais. C'est Messi non match il fait deux goals et les Messi pas là Mbappé font deux goals, les Neymar pas là et yo même yo comme si ça le monde attend nan menek ça yo et c'est non match yo trois crase plate soit et chaque nèg font triple mais chaque nèg font doublé et comme ça comme si attend yo capable combler donc bon c'est ça li extrêmement li important donc et Marseille je son il t'a dit pendant année ça Marseille nous te connaît c'est pas vraiment li, là donc Marseille qui et c'est n'a gardé joueur Marseille yo bien des joueurs qui venir de nulle part. Donc, alors, ça se comprend. Le et pas gagné pour l'argent, ils vont pas faire bien manger. Donc, ils sont avec manger des lasagnes, donc ils sont obligés de mettre pour l'argent dehors et pour capable faire manger. Donc, pour le pays. Donc, il faut dépenser. Et d'ailleurs, pour qui sont à l'extérieur, hein, et puis bon marché que pour le pays. Ah, oui, oui. Et si pour le blanc, vous voyez, ben nous, hein, pour acheter trois. Mais à quoi toi et la difficile et pour prendre deux avec pour prendre donc ça veut dire il souffle manger à la haïtienne faut capable défoncer ou pour capable manger à la haïtienne en tout cas et il t'a supposé un bel match demain pour commencer alors dimanche pour commencer avec Paris Saint-Germain mais tout le mois regarder match qui fait déjà yo toujours un carton rouge toujours gagne des maintenant altercation donc ça qui vient là où fait fanatique mal le monde petit que les paye place les vient regarder les là pour toute bagarre il connaît qu'un 0-0 mais bal spectacle living pour ça tout bal spectacle le semen qui a metté là ou déranger fanatique là ou déranger les spectateurs yo donc que c'est né pour être capable de mettre bleu dans du vent donc comme carton rouge ni m'a prendre place ça et c'est pas trop deux déjà deux déjà oui. Et une face avec et au campos
Yon resamman fasa vek Luis Colombo msè la do sa 3-1 e msè ki tap jwa an Espany Eva Gonzalez voilà Luis Gonzalez msè te ite krashe sou li epi se de deja do ke sou atakan bon lò se atakan sa pa vle di ou pa pran ou ke sa tou e babye Neymar son jwè ki tre tre provokateur avèk bouche li e avèk piye l se pa pale e lè koun yal li mèm la triblo anko ou pou fon fote sou li e pi li pa kapab chere nè li e pi pa rete avan Luis et Gonzalez son karton rouge Gonzalez te pran fase avèk Ocampos avan Ocampos travesse nan Sevi Ocampos frappe, il pas habite là fait justice et puis il frappe Ocampos. Il réagit. Il réagit bien habite par carton. Donc c'était extrêmement difficile pour lui. Eh ben et le match est toujours très chaud. Très chaud, très chaud, ouais, pression en pile propre à dire et Marseille pas jamais jusqu'à pas jamais respecté Paris jusqu'à et Paris toujours voulait montrer ils sont grands et Marseille lui-même avec Alet de Ligue des Champions 93 de Gabotia, c'est celle équipe en France qui baille Ligue 1 et Champions League. Et donc, ça qui vient faire équipe à Marseille, là, vient gagner une grandeur dans le championnat de France. Et Marseille, c'est l'équipe qui plus aimé en France. Ah, parce que l'autre dit Marseille, c'est comme c'est la France. C'est la France et surtout avec Paris Saint-Germain actuel ça là qui gagne monsieur Qatari qui vient investir des millions de dollars en dans équipe ça et en pile français toujours fait quoi que bon y aurait les Paris Saint-Germain Paris des Qatar des Qatar allez clair avec dimanche si Dieu veut comment duel là les mêmes les capables et Sampaoli qui a porté un goal ensemble avec Paulo Lopez, nous connaît d'ailleurs Sampaoli défense à trois là. Et Paulo Lopez a un beau goal qui perd, c'est un Portugais, pas mauvais du tout. Et qui est-ce que non, goal qui perd Portugais, c'est Satan Lyon. Anthony Lopez, c'est Satan Lyon, Anthony Lopez. C'est espagnol. Oui, Paulo Lopez, c'est espagnol. Et puis William et Saliba et gain Leonardo et Belletti mon ça capable en défense Luan et Pires mon ça capable jouer en, avec alors c'est probablement trois monde qui parle Luan Pires ça est bon brésilien et nous capable rapidement vérifier et bon un brésilien monsieur qui a 27 ans. Et puis, quatre mondes qui parlent en terrain, possiblement. Et c'est par Paul, ensemble avec Papé et Gay, et Matteo Gonduzzi, et je football très talentueux, ce national Vanney. Ouais. Et monsieur qui t'a fini, il te montre un pile fou. Et monsieur, malgré le quitté Arsenal, vient de Marseille, il s'est mis titulaire indiscutable en équipe ça. Avec fin de col cheveux de monsieur les mêmes morphologies ensemble avec David Luiz les morphologies ouais monsieur son joueur qui est très intéressant parce que monsieur c'est véritable chef d'orchestre alors que je équipe en Marseillais et qui distille en pile ballon qui permet de jouer de joindre en profondeur son joueur intéressant quand même ça Gerson qui sont les brésiliens oui, qui sont jeunes brésiliens qui ont un peu de qualité également. Exactement. Et puis devant, capable de gagner trois mounsa yo et Arkadiusz Milik, et polonais. Ancien Genoa, Milan, et fait Naptou. Et qui fait à Madrid. Et puis Dimitri Payet, et gagné Under de Tuc, Under qui était dans AS Roma. Oui, yon petit footballeur qui est très talentueux. Très talentueux. Monsieur qui est très vivoltant, qui gagne un pile dribble. Monsieur, non. Et notre dribble, monsieur, yo, changement de direction, yo, vraiment et intéressant. Malheureusement, monsieur a tombé dans Marseille. C'est parce que Marseille pas capable de dimension pour être capable d'atteindre le niveau souhaité dans le football là. Même senti comme si dans l'équipe en haut maintenant, ou bien l'autre équipe,
c'est capable de permettre à monsieur grandir plus. Parce que Marseille, jusqu'à présent, moi-même, je ne suis pas capable de comprendre le projet et l'équipe Marseille. Avec Makout ou encore l'arrivée de Sambaoli. Parce que je ne pas senti le projet à son bagage qui définit. Je n'ai pas dans A et puis pour nous aller nan B. Pour nous quitter B, pour nous aller dans D jusqu'à ce que nous atteignions la perfection. Je pas senti l'équipe Marseille. Bon, malheureusement, si on est là, son bon petit joueur et qui tombe dans Marseille et bon non mauvais mais et puis et Paris Saint-Germain est capable de jouer ensemble avec Keylor Navas et accepte des fois ça et Serge Mbembe Marquinhos et Achraf Hakimi à droite et puis Nuno Mendes à gauche et Marco Verratti Idrissa Gueye et sans oublier Ander Herrera qui a montré l'autre facette dans l'année. L'année passée, monsieur était plus pour un bac que jouer. Et là, alors, Namita, il y a surtout qui t'a pas montré qu'il est capable de jouer. Et jusqu'à maintenant, Ander Herrera, il est en place tant au souban, tant au jouer. Et l'a joué, démontrer ça qu'il est capable de faire. Neymar et Kylian Mbappé, Messi, c'est bon, ça qui est capable. Démarrer oui. Dimanche. Souka Ander, ça arrive très très souvent. Il y a un coach qui était là. Qui jouait le capable de porter pour lui, mais il n'est pas titulaire comme si indiscutable en équipe là. Mais c'est un bon dépanneur, ils sont joueurs qui sont capables de répondre à toute situation lorsque les bons joueurs dans notre jeu et qui pas disponible et pas oublié et qui pas Paris Saint-Germain. Et à l'époque, Thomas Tuchel était plus opté dans un système de 4-2-3-1. Exactement. Maintenant, l'arrivée de Mauricio Pochettino, il voulait chita plus dans une question de 4-3-3. Et là, 4-3-3 pour le capable. Équilibré équipe en phase animation défensive li obligé mettre des joueurs qui capable couvrir espace qui capable aider équipe là dans phase récupération parce que Paris Saint-Germain avec trois éléments ligués devant yo l'a souffri en pile et d'ailleurs yo obligé faire yo pressing et du milieu. Il n'y a pas laissé faire un pressing haut parce que faire pressing haut et ça permet yo capable de ratisser ballon beaucoup plus et bon plus rapide que possible avec Neymar Kylian Mbappé mais monsieur ça yo pas bay trop garanti dans à arracher ballon dans pied adversaire et bien il vient obligé et renforcer et entre Jeli avec Ander Herrera noué qui cap je corps et âme est tellement livré montrer et li capable porter un petit plus surtout dans phase récupération se couvrir un peu l'espace jusqu'à présent l'a joué bien et monsieur li porter support offensif là d'ailleurs et monsieur marqué environ deux goals déjà pendant saison ça là et Idrissa Gueye c'est véritable et sorti de là mais moi même question m'a posé le Sergio Ramos disponible et li capable jouer normalement sans aucune pépé physique est-ce que li papral est-ce que Idrissa Gueye ou bien Ander Herrera papral payer les frais parce que senti moi même ça c'est m'a toujours que même parole ça jusqu'au bout moi senti Marquinhos c'est élément c'est l'homme idéal pour Paris Saint-Germain dans notre jeu même que Leonardo pas jamais d'accord avec Thomas Tuchel pour le dépositionner il a joué tant pour Marquinhos dans position ça donc et après tant le et Sergio Ramos lui-même disponible pour nous qui ça va faire bon trident offensif là ça en y est popo dit entre trois monsieur ça yo est-ce que pour y aller dans grand rendez-vous ça que l'on veut ou non jouer avec Marseille c'est un grand rendez-vous lié dans Ligue 1 c'est un gros match et parce qu'en pile télévision qui va le diffuser match ça parce que Ligue 1 Messi là Ligue 1 Neymar là Kylian Mbappé là et en pile pays en Amérique du Sud Amérique du Nord et Asie et Europe qui va le suivre Matsa. Est-ce que dans Matsa, nous pouvons le joindre, puis dans ça, qui composé de Neymar, Mbappé, Messi,
pas pral improve. Ça c'est interrogation même que Neymar a privé en demi-tête par rapport avec problème qui était gagné au niveau adducteur. Et si on doit rapidement faire 11 entre deux équipes, non, pas gagné. Pas gaffe. Non, pas gaffe. On va faire ma saison. Pas gaffe. OK, et puis et ça qui est important, et ben on va aller dans pays et nous aller là en Espagne dans le classico et Barcelone Real Madrid et c'est pas vraiment important entre et ces deux formations. Ça qui est important c'est que Karim Benzema dit et quitte Messi pas là, quitte Messi là, c'est toujours même classico hein, et qui a toujours été ensemble avec même sensation hein, qui donc pas gagné. Et nous pas besoin à vous côté parole pour dire tête là tête pas là, donc c'est toujours même classique. Karim Benzema qui est un petit pour un coup et dans Cheville jeudi à l'entraînement il a annoncé les certains et pour match à dimanche là qui tape un beaucoup dessus pour Real de Madrid et même que nous connaît Real de Madrid. Et avec Vinicius, j'ai appliqué ça et même une comparaison, monsieur, non, comparaison qui t'a fait entre monsieur ensemble avec et Vinicius avec Ansu Fati. Je dis, je pose monsieur Ansu ou Vinicius et monsieur plus penché d'abord Vinicius. On voit le ça, monsieur dit Vinicius, les plus rapide et les plus puissant. Regardez. Et les pire et Ensou. Ça c'est Gérard Piqué qui a parlé pour équipier Ensou Fati. Monsieur allait toujours pour dire Ensou Fati, il est talent pour le marquer, il est talent pour le faire goal. Et il est capable de dire Ensou c'est un meilleur marqueur, c'est-à-dire il est plus qu'on fait goal que Vinicius. Et monsieur dit et Vinicius très fort. Non, yo situation un contre un. Vinicius a plus qualité pour le capable déstabiliser et défendre. Et lui, c'est meilleur joueur du monde que actuellement là que Ansu Fati. Ça nous capable comprendre. Nous comprenons la comparaison très très bien parce que monsieur Gérard Piqué très très souvent chaque fois il parle pour son monde qui comprend. C'est très prudent dans ça. Monsieur prudent et puis monsieur comprend football. Comprend football. Ça veut dire là. Monsieur parler de l'actuel. Justement. Parce que l'obre a des caractéristiques Ansu Fati et Vinicius Junior. Ça, Gérard Piqué dit, c'est exact. Et Vinicius Junior, actuellement, qui n'a pas une forme époustouflante, qui a joué meilleur football et ligue encore pour progresser beaucoup plus parce que c'est des matchs en match où monsieur a pris une dimension en plus. Nous sommes gardés en Ligue des Champions, qualité goal il était fait et monsieur marqué deux goals, il faut pas décisive. Malheureusement, nous avons campagne Karim Benzema l'a continué par contre juste côté la privée. Vinicius à mon avis c'était meilleur joué match là. Bon pilote, c'était meilleur joué match là. Mais au gars et Karim Benzema yo bay l'homme du match pendant les gars il fait des goals, ils font super goal, yo gros goal match là côté li déstabilise toute défense équipe et chaque temps là pour mettre ballon dans goal elle faut passe décisive li marquer deux goals. Bon, yo bral. Non, oui. Ça son petit genre dérangeant, très très dérangeant et l'a regardé jouer yo jambe d'abdilan caractéristiquement parlant. Ou est-ce que Gérard Piqué dit, c'est exact. Vinicius, son joueur comme si, qui est très tonique, très puissant et qui a une qualité technique extraordinaire, qui a plus de variété de dribbles comparativement avec Ansu Fati. Ansu Fati, son joueur qui est beaucoup plus direct, qui a les droits au but et pour le capable de marquer, mander ballon en pile, en profondeur et qui a une capacité pour jouer sans ballon, c'est-à-dire dans appel contre appel, appel croisé, etc. Et mais Vinicius, capable de créer propre chute, même j'aime bien dire le basketball, pour l'on shooter à 3 points pour Realen, l'on a éventuelle comparaison entre Ray ensemble avec Steph Curry, l'on a ces deux joueurs, ces deux tireurs à 3 points, mais
bon mais ou pral mette. Mais Steph Curry li kreye propre shoot li. Ray Allen c'est nan kouri kouri et puis en pile mouvement et puis bal ballon et puis c'est ma Ray Allen moi me suivre là bah il était chargé pour aller dans bon, panier t'es gon on dépanneur qui te relé bon alors on vont tu vas et on dépanneur qui te relé Miller qui était dans Miami. Mon cher début monsieur monter ouais l'autre paraît des capes bot à toi pour mettre des mains sur genou comme si son Mike monde Miller. Son monde yo oublié et puis ouais. Au ballon il fait ballon il fait je ça aussi joueur qui joue give and go voilà give and go c'est ballon et pour y aller en déséquilibre ou pas Real en prend un match qui pral remettre Miami dans série face à San Antonio si San Antonio gagne match là San Antonio champion d'ailleurs n'a pas gardé dans stade là côté où tu as mis tes codes oui. Pour les fanatiques oui. Pour San Antonio tu pas le célébrer titre le ballon shoot 3 points premier shoot 3 points et LeBron James ballon aller sous sec là et Chris Bosh et kill ballon dit tout servir au passe pour Ray Allen et puis Ray Allen sans réfléchir et puis l'autre fait ti et step back là c'est n'a fait un tel profil pour un gros final. Oui, c'est ça. Mdabti entre Vinicius Junior et Ansu Fati. Mais Ansu Fati pas nan niveau comme si Mdadou Real comme si c'est monde qui peut créer pour lui. Lui même est capable de créer pour un gol pal. Mais Vinicius Junior gagne plus qualité, gagne et plus mouvement. C'est un cadre pour tête, il a créé pour l'autre monde. Justement. Alors, je pense que Oula Sosa et Carlo Ancelotti développé avec Vinicius Junior, c'est une relation qui gagne pile importance. Il est jeune, il est rapide. Les joueurs mondial puissants. Donc, je me dis, l'aime souterrain, je me dis, avant hier, après deux goals, je me dis comme ça, ou la somme avec Carlo Ancelotti, je me suis enragé. Je me dis, l'aime souterrain, avant de monter, je me dis, je veux créer plus d'action dangereuse, je veux faire plus de goals dans le match. Ouais, comme ouais. C'est pour montrer au côté Carlo Ancelotti aller bah on est si c'est une différence monsieur veut faire non King Carlo pas oublier King Carlo qui est environ 25 ans depuis six ans là pour entraîner King Carlo il y a plus de jeunes joueurs qui passent dans mais et ouais qui s'allient ensemble avec eux donc on va prendre la montée en puissance de Andrea Piccolo c'est King Carlo Ancelotti voilà. Même que moi-même moi toujours bail m'a donné en pile respect parce que c'est premier coach qui t'a pas reculé et Piccolo pour le faire Piccolo jouer comme régista comme meneur de jeu reculé c'était Carlo Mazzone qui t'a fait la breccia avec Andrea Piccolo et Carlo Ancelotti vient faire mais c'est là Piccolo vient pour on prend caca. Oui. On prend caca. On nous prend et pato qui t'a monté là. C'est sous zone de Carlo Ancelotti. Et puis nous prenons aller dans Real de Madrid. Monsieur reconverti Karim et Angel Di Maria. Oui. Lui fait Angel Di Maria venir jouer dans l'autre position. Et gain coach qui coûte Argentine ou bien dans l'autre équipe. Di Maria ta Leo si on te prend leçon Carlo Ancelotti ça tu vas te faire tête du Angel Di Maria te capable font plus gros nous gars exemple clair et mais je sais United ouais yo venu yo mettre na poste coach avlien et puis ça quoi c'est ce faux passage éclair ouais ça y est un passage bon vite à oublier oui donc ça qui est important c'est dire que ça l'homme là et Carlo Ancelotti relé sous terre pour le dire t'allais me remplacer ou oui je dis l'elle dit ça son façon pour motiver pour concentrer sur l'autre là oui bien sûr en fait et ça c'est une relation papa avec petit et ça des fois Vinicius Junior pas qu'à faire gol là mais il mettait Karim Benzema en orbite et Karim Benzema marqué parce que là où capable et penser sous avenir Hazard est-ce que Hazard était ou bien Hazard quittez moi reposer la paix okay. Donc la presse Madrid go ba yo dit là sous Vinicius non Vinicius okay. Bon, Vinicius c'est lui même qui a la mode quand même c'est bruit c'est ballon d'or Vinicius c'est lui qui a la mode parce que ça Karim a fait là yo Karim gagne pour le faire depuis tant d'années il pas faire c'est qu'on a lui faire en savoure vini
Vinicius Junior, même si l'ami même tout nouveau bidou tout douce. Oui, il est clair, il est clair. Oui, tout nouveau bidou. Et maintenant, il va dans question bah madame, non pas rien bah ça. Bon. Bah on est bouquet de lait avec un lait qui est scambé tout nouveau. Tout nouveau. Ils appellent comme ça. Oui. Et tu pour téléphone chercher. Téléphone chercher. Ouais. La presse Madrid. On a annoncé et pour Classico, le nouveau Ronaldinho est à Madrid. Mon cher. Vinicius, oui. Oui, Vinicius. On vous a dit, Ronaldinho a un Classico en Akanou. Parce que Ronaldinho, on est ambassadeur Barcelone. Ronaldinho qui a suivi le match Paris Saint-Germain dernièrement. La presse de Barcelone était fâché. Comme ambassadeur, Ronaldinho va te dire où on est. Qui est entre. Et il a oublié si Ronaldinho c'était Paris. Et bien, il y a un petit bruit que tu as fait. Ronaldinho, capable de faire un dimanche, quand il est là. Et bien, la presse catalane qui a annoncé Ronaldinho. D'accord, nous. Et bien, vous-même, nous disons ça. Et nouveau, Ronaldinho est à Madrid. Alors, c'est pour. Son réponse, oui. Son réponse rapide. Son réponse qui. Qui. Et pas oublier, Barcelone n'a pas aucun gros superstar. Oui. Cap souterrain. Et moi, c'est dimanche. C'est collectivité à qui. Oui, dimanche. Et bien, il n'y a pas aucun joueur dans le ça pour vendre. Il n'y a pas capable de mettre en dessous dans la dimension comme nous souhaitons. Et bien, qui s'allie. La présence de Ronaldinho capable yo plus visibilité au niveau d'image. Ouais. Et bien vous voulez vendre Ronaldinho ouais, bayo et puis tout Madrid pas pour nous. Oui, avec Vinicius. Mon cher quand nous appelé tout. Alors même Gareth Bale là tout mon ça tout qui bon Gareth Bale qui blessé et Thierry Rodrigo là papa qui a monté pour qui tout le monde connaît qui qualité le gagner. Et là j'ai souri au remet Levi Lazar. En fait, on va regarder nous comment ça capable dimanche 11 de départ. Marc-André Ter Stegen et Sergio Roberto, et grâce à ça, vous-même, il est très jeune, il a beaucoup de problèmes ensemble avec lui. Jeune en pile, mais et... comme si jeunesse, monsieur, il n'a pas montré comme si trop alors, confiance, bon, mais ça va venir. Et combien qui monte dans la tête, là, c'est bon, jeune, et des militaires. Ouais. Et des militaires. Tu étais chrétien pilule. Comment tu étais chrétien? Dans la jeunesse. Non, non. Hein? Pas de chrétien. Non, non, okay. Pas chrétien. Mm-hmm. Pas de chrétien. Ou est maturité. Voilà. Mais David, ça fait 2 ans. Oui, mais excusez-moi, mais des militaires, ça va être chrétien. Passage, monsieur, dans FC pour toi. Non, c'est pas grave. Oui, oui. C'est pas énorme. Comme si, c'est, bien, ça m'a douleur. C'est au différence mal fait. Je m'a et bad à jouer avec la sélection brésilienne. Je crois numéro 3 ça font jouer 5 jours. Comme si, il y a un joueur, comme si il y a un gardien qui est déterminé. Tant que tu as des joueurs qui fait que ce soit passé dans le Coutinho, on dit, monsieur, qu'a fait un bon joueur. Mais l'organe, oui. C'est comme si, ou tu quittes, ou tu dis, ah, on a prédit que monsieur a fait un bon joueur. Mais l'organe, on joue tant que des militaires ou dans le bas d'un jeu, tu quittes. C'est difficile pour jouer idée. Pom, il y a des militaires dans le FC Porto. Non, mon cher, il faut pas regarder l'idée. Justement. Mal regarder l'idée, oh. Et puis qui est-ce qui va le prendre? Dis non, est-ce que monsieur Vin dit détenir pas gain bluff si je pour Brésil junior yo on capable intégrer sélection A bien rapide. Et puis réellement il faire folie, yo prendre mettre le sous banc premier match je comme et titulaire en équipe là, il finit l'homme du match. Bon, mais joueur sont à parler à son joueur qui était en 17 ans 18 ans. 18 ans. Alors, on pas briller attention, l'on a Barcelone. Soit Gavi là va passer, mais c'est pas même poste. Soit Gavi. Où est-ce que son autre dimension? Mais ça va me donner. L'organe est mieux. Où est-ce son autre dimension? Regardez Baldea, où est-ce son autre dimension? En dessous partie son autre dimension. Mais Eric Garcia, monsieur, pas montrer son joueur qui est capable de venir gros à l'essentiel. Exactement. Pas qu'on est à la vie, s'il est capable de convaincre, mais ça n'a pas montré. D'après, par exemple, Eric. Emric la porte comme c'est espagnol comme on dit la porte le monsieur dans équipe et Basque et comment Bilbao Athletic Bilbao
Tout le monde ouais, monsieur gagner capacité, gagner qualité pour venir faire gros arrière central. Oui. Avec maturité ou monsieur on yo jeune 18 justement, li bay en pile garanti. Même que ouais, à l'âge li et la connait là, monsieur il manque grandi. Il manque grandi. Par rapport à ça, ça t'a montré justement. Mais Eric Garcia, moi pas ouais ça dans li. Les monsieur na Bilbao il a chance ça vu dans sélection espagnole il joue monsieur pas bon que pas ou Torres même que c'est deux pieds gauche en défense centrale moi même m'a résier me faire deux pieds gauche tout autant monsieur pas capable aucune garantie en sélection nationale m'a ton passager et passager Guardiola si monsieur pas grandi avec Guardiola avec ça comme si Guardiola on joue capable quitter cette sélection et capable quitter Manchester City Et puis quand on a appris la sélection, on a précis un gros miracle qui va le faire, oui. C'est deux équipes qui ont l'entraîné, Brésil ou bien Hollande. On a précis un gros miracle qui fait au Brésil. Tout entraîneur au Brésil a quitté le coach. A quitté le coach, mais si c'est ça, une pète au Brésil. Mais ça, on dit là, bon, ça, c'est une blague. Nous n'avons pas de petite blague, nous. Nous parlons de comme information dans la live là. Mais ça, on dit là, ça, c'est une information. Au Brésil, il y a un syndicat d'entraîneur. Qui et gagné comment on a dit ça yon loi yon mette au Brésil mette en vigueur là non depuis quelques temps puis là pour aucun étranger pas une pré-sélection pas entrer des sélections nationales mais c'est parce que en 2014 comment tout ça t'est encore ça t'est venu en place si Ricardo Teixeira et pas Marine ou quoi ça le Guardiola le Alves te dit comme ça Guardiola dit li vle prend équipe Brésil là Brésil il d'avoir prend 7-1 en coupe du monde là et équipe ça elle était en grande difficulté avec Meneses et cetera ça Guardiola te vle lui si au bal job là la prend je dis il va besoin payer monsieur là les pile ouais oui pour dire Marine dit c'est une besoin football brésilien et série A Brésil là série A et qu'on s'achète dans la rue et tout effectivement si nous besoin championnat crasé eh bien mettez Guardiola monsieur et c'était grave monsieur même parlé connais monsieur de très bonne relation ensemble avec Alves monsieur disait Alves et me était web comment va faire jouer en équipe là monsieur parlé de Neymar comme si monsieur Moutro pas A plus B Brésil t'a pas prend 6e coupe du monde. Oui, monsieur remet Brésil en pile. Monsieur Moutro que il pas fait là. Parce que équipe ça yo, monsieur senti comme si nous sommes là avec. Justement. Nous sommes là avec. Oui. Oui. Pep, on parle Pep pays ça yo. Et pas Pep Guardiola. Pep pays ça yo. Ou encore les habitants du Brésil. Les habitants du Brésil ou encore les Néerlandais et ça. Mounzayo, c'est des adeptes du beau jeu. Yo kwè le équipe yo a joué football sa Pep Guardiola a joué ya. C'est ça qui fait ou pral wè Van Mavrij en 2010 la Hollande te gen en pile Nyerlandais des traditionnels yo te gen gros problème ensemble avec yo te mandé monsieur a fait tout bagay sauf ce football hollandais al pa jouer. J'ai pas de problème quelque part. Il fait finale comme tu vois. Il fait finale. Vous savez, c'est comme tout le monde. Quel football là où la vie. Oui. Comme si, mais. Et monsieur Terre, pour lui, monsieur dit tant d'atnap joué bel football. 74 ans fait finale. 78 ans fait finale. Et ça, il est à l'Alcalil. Nous faisons finale avec bel football. Nous pas jamais fait rien. Nous avons participé dans la Coupe du Monde depuis tant d'at. Nous avons éliminé depuis 78 ans. Nous avons finale. Et bien, je dis là, lui-même, mes bel football, mes football là, joué à mes côtés, le métal. C'est l'aile de fin qualifié. Exactement. Pour finale. Et puis bon, malheureusement, le Valbert dit dans la finale là. Bon. Alors, et c'est quand même, et bon, c'est un pari sport. Nous faisons différent et nous sommes bon informés. Et nous même aller dans la génération, ou pas trop là, on une façon pour nous capables de Québec ou informer. L'Espagne est prêt à branle, puisque c'est prêt à être classique pour un. Barcelone, nous avons bien pour recevoir le Real Madrid. Qui donc Madrid en déplacement dans le camp et Eden Militao à la bas et Fela Mendy qui est de retour
qui retourne. Bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle parce que son bête défensif. Oui, parce que sous couloir ça, Real a souffert en pile pendant le début de saison là. Parce que il n'y a pas Ancelotti pour que j'aime quand même une alternative sous couloir. Parce que il y a trop. Et. Il y a trop vide, il y a trop couloir. Oui, oui. Il tente trop là-dedans. Il tente trop là-dedans. Si Miguel tente, et l'autre arrière, et bon. Véritable dépanneur, oui. Et Nacho. Nacho, tenté, des fois, le fait à la bas. David à la bas. Bon, il cherchait, Mais maintenant, bon, il game, monsieur. Mais c'est étonnant. Bon, m'espérer. Bon. Et Nacho être... capable de jouer à droite pour eux. Et, mais, en plus, ouais, c'est pour Vasquez. Et Lucas Moric. Et moi, Lucas et... Vasquez. Hein? Bah, quoi, il a fait Lucas Vasquez. Fait la télé. Avant, il fait le match. Oui, avec Shakhtar. Ils font les temps de nous quelque part parce oui. Que et nous pas l'empile de ça mais dans classique là est-ce que les papas baillent beaucoup plus d'assurance défensive au lieu comme s'il voulait Lucas Vasquez parce que c'est Carlo Ancelotti et c'est italien du tout c'est pas venu venir pour le concert comme ça et puis quand l'autre alternative monsieur mettant des équipes là alors c'est quand même Jean-Henri Medina c'est effectué Real Madrid qui a préparé ce changement de point. Il retire Kous, il retire Modric, il retire les joueurs comme ça vieillot, il mettait petit jeune, comme si il sentit. Ouais, comme ouais, la fête transition. Voilà, la transition, notre transition d'âge, au moins compensation. Je fais là, parce que ça la place, et Kamavinga, et cool montrer, cher, et moi, monsieur, non. C'est vrai, son pied gauche, mais moi, je suis un pile Pogba. Un pile Pogba, en tout cas, et c'est bénéfice et pour la France. Et puis, nous voilà dans l'autre gros choc. Et je te souhaite un 11. Entre deux équipes, ça va encore. Avant, faut que l'on dise trois derniers classiques et allemand avec Barcelone. Barcelone, toujours coulé. Oui, bah, Sinap Riff et Kepsiba là en mars 2020, des 0. Et puis octobre 2020, des 0. Avril 2021, des goals à 1. Bon, ça montre vraiment comment Real prend un ascendant sous Barcelone. Ça veut dire et tout match à c'est avec Messi. C'est trois matchs sans victoire pour lui. Oui, ça. Et avec Messi, il a pas gagné Messi. Je ne joue pas. C'est encore pire pour yo. Est-ce que Kounia là, Barcelone, pour qu'il dit pour jouer match ville là, est-ce que Kounia là, jeune Zayo, pour qu'il beaucoup plus libéré pour yo capable de jouer au gros niveau match de football face avec l'équipe Real de Madrid? Et puis, et Barcelone qui, alors, dans le jour là, on se met Dembélé à la bien pour la. En Irlande pour la faire une opération, pas opération pour la faire un examen. Tout baga ok pour lui. Et pour regarder comment. Tout baga ok pour lui, monsieur a de retour contre Rayo Vallecano. Voilà, c'est bonne nouvelle, monsieur qui est très rapide. Avant hier, monsieur fait Seguino Dest et Kuman fait ailier droite. Il fait pendant deux fois, il fait le côté Séville, il satisfait, il fait récemment dans la Ligue des Champions. Et piet match, est-ce que pour qui ça le fait, est-ce que nous sommes cherchés à 6 défensifs là qui veut le faire et pour qui veut le faire, c'est le des... oui, parce que ce qui a tout qui descend souvent, ce qui descend souvent qui était couloir et des fois pour et des joueurs d'un coup. Et faut qu'il dénote monter les et puis à faire ça. Ok. Devant Real Madrid là, le fort est possible pour monsieur faire des face à toi là. Et le pape Gueye, Jordi Alba, comme piston gauche. Ça a déjà un gros bout du boulot, il y a un joueur qui Gueye environ 10 ans depuis la joue classico. Qui connaît ça très bien, monsieur, un problème au niveau cheville. Et Kounia, à droite, est-ce que le papa fait Sergi Dodeste, fait piston gauche? Est-ce que c'est toutefois jouer avec défense à 3? Oui. Et oui. M'pakou la fait défense à 4. M'pakou la fait défense à plat. Défense à 4 là. M'pakou la fait. Parce que monsieur décidé pour jouer dans 3-5 d'ailleurs. Ou bien dans 3-4-3.
c'est là. Moi, je l'ai peut-être qu'on fait. Et toi, 4-3, il était qu'on marchait, mais c'est pas même le maillot. Mais le résultat, on a le Kimonio, c'est dans la défense à 3 à level. Regardez tout le match de lorsque Barcelone a commencé à gagner des formes la saison dernière. C'était défense à 3. Voilà, voilà, compliqué dans le même tour. Oui, mais ça, mais question qu'on vient de poser encore. En attaque, est-ce que M. Gualnaf est. Dans le Ligue 1 plan? Ligue 2 en plan. Mais ça, moi, et dans la Ligue des Champions, c'est ça. Catastrophe. Catastrophe. Il était chargé de catastrophe. Est-ce que vous avez M. Gualnaf dit, bon, Philippe Coutinho et bon match était démarré, et avant hier, il rentre en cours de jeu, est-ce que M. Gualnaf a déjà gagné suffisamment de temps de jeu pour le capable de statler dans un match pareil? Mon cher, bon, c'est monsieur capable de venir avec Zamlou. C'est ça, il est capable de commencer ensemble avec Koun à grand pointe. Et puis il fait. Comment. Ansu Fati. Ansu Fati. Et puis. Depay. 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 Bon, moi-même, je ne fais pas Aguero, parce que Aguero est encore trop juste. Pour débarrer à son avec le catou avancer et il a metté des pailles en pointe et puis après en tout parti Philippe Coutinho voilà des pailles oui c'est ça m'a fait parce que Aguero pas gagné suffisamment de temps et puis dans mi-temps derrière là c'est là est-ce que vous avez blessé blessé est-ce que vous avez là fait Busquets ensemble avec David et non pas dans Gavi là même dans Gavi non dehors comme si là où vous voulez défense à toi à toi oui si la dans défense à toi c'est là oui parce que c'est ça le plus fait on va pas l'imaginer nous défense à plat si le bambrel ok mais qu'on a mouillé en fonction de ça il toujours après météo est-ce que vous n'allez pas le faire yon Busquets avec Adeon dans l'autre jeu et puis Sergi Nodest et comment et Sergi Roberto et puis pour aligner Garcia là Piqué et avec Ronald Araújo oui ou bien Mengueza monsieur les possibles oui monsieur me senti senti et que man bon qu'on n'est pas le tout bon pression tout bon ouais, pression classique contre le jeu oui alors nous classique on peut en jouer donc monsieur trouver là comme c'est d'ailleurs deux pieds le fouet nos graines solides pour l'abgarder qui schéma tactique voilà et monsieur tout son nègre tout qui était dessus parce que il était dessus parce que c'est coach il connaît les maillots et le schéma non attendez peut-être équipe en fonction de l'élément en fonction de quelque part quelque part le rebelle par rapport avec Ron Laporta. Non, pas car Ron Laporta, si Ron Laporta a besoin, fait ça, Léa, la prétire au costume président sur lui pour le coach. En fait, et. Mon cher. Ils sont un peu parlé, non. On va voir un petit classique, ça passe là même. Classique, quoi, qui a fait à 10h15. 10h15, le matin, donc, possibilité pour pomper le monde garder, parce que c'est à 11h, et c'est pas tout le monde qui a le travail. Donc, et que man, il est capable de jouer en défense à 3, pour ça, tout le capable de jouer en défense à plat. Mais ce qui est important, c'est que, et que man, papa Van Paul, dans le classique, n'importe quoi. Il peut nous aller plus sur ça. Et Gavi qui a monté en force, qui a besoin de temps de jeu, qu'on y a là, est-ce que man a toujours fait confiance, ça m'avait Gavi pour le mettre dans le terrain à côté des Busquets, et puis, il faut qu'il déoque. C'est toutefois la défense et alors si la joue en 4-3-3 mais pas oublier possible li possible pour le pas gagner arrière gauche là si ça te fait quatre figures ouais défense à plat pas tellement rentrer là-dedans pour le capable pallier absence et Jordi Alba est-ce que Kounal Papa le dit bon pas pral faire ses genoux d'est fait arrière gauche ma piste mettre en piston et puis pour me capable sécuriser avec Ronald et puis et Garcia à droite Piqué, et puis Piqué à la couverture. Il semble avec ça, il semble avec elle et Jordi Alba tout blessure qui va problème mais aujourd'hui c'est parce que Jordi Alba c'est un joueur tout dans Barcelone qui est toujours très fatigué parce que pas de doublure et ça qui est capable alors fait et que man jouer et nos systèmes on n'a pas le temps pas souhaité ouais Barcelone a joué comme président en tout cas et c'est pas un gros football gros niveau football Vinicius Junior
et face ça avec Ansu Fati, Karim Benzema et Memphis Depay. Bon, Rodrigo est peut-être capable face avec nous, soit Philippe Coutinho. Et qui est le joueur encore? Donc, c'est difficile. C'est la passe à passe. Match-up. On m'a dit tête chargée. Oh, c'est notre match-up entre deux joueurs. Même, a jusqu'à présent, là, elle ne sont pas team. J'ai le respect pour vous. Moi, mes qualités. Vous avez un match-up avec Vinicius Junior. Dans le niveau Vinicius, ça veut là. On a que man, tu passes avec Carlo Ancelotti. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On nous aller en Angleterre, non? Oui. En Angleterre, et bagaille au pral miel red, Liverpool, Manchester United. Eh bah, gros match. Liverpool, Manchester United. Ok, c'est vraiment un match sensationnel. Et c'est Liverpool qui deuxième cap game pour croiser. Et United qui sixième. United qui n'a une situation qui paraît un peu compliqué, parce que si n'a pas tenu compte dernier match équipe Manchester United, so, Ligue 1 difficilement et équipe là li papa y trop pas garanti. Équipe là vient paraître ndati une équipe qui dénaturée par rapport avec progression équipe Manchester United là l'année dernière. Et l'année dernière équipe Manchester United là et n'a pas rappelé nous. Il définit en deuxième position avec 74 points. 74 points, c'est une meilleure et classement United depuis départ c'est Alex Ferguson. Eh bien, je ne veux dire là, malgré l'équipe United là, et fait des acquisitions, il prend des joueurs de niveau de classe mondiale. Et Varane, Cristiano Ronaldo, Ovini, yo pre yon joueur qui parmi étoile montante football mondial là, à savoir Sancho. Ouais, yo petit problème ou bien, maga dit petit problème, jusqu'à présent gen problème adaptation. Varane qui sorti dans un championnat qui est différent par rapport avec Premier League, qui c'est Liga, et Sancho qui sorti dans Bundesliga, d'ailleurs c'est là qui pratiquement fait zam après ce sage jusqu'à ce qu'elle vienne dans le niveau Liga, elle vienne dans Manchester United. Cristiano Ronaldo qui était championnat ça depuis une éternité, même qu'elle fait Tigre Ngolio, mais ouais, équipe là, li pas dans le niveau l'été à Nebassia. Est-ce que Kounia là, problème dans ces problèmes? Ole Gunnar lié, moi-même m'a dit non, li pas problème ni parce que monsieur était déjà gon base nan mel, monsieur était tout monde était ouais équipe United là c'est une équipe qui était capable al goumer ensemble avec Manchester City tenant du titre et Chelsea qui renforcer sérieusement qui a monté en puissance pour titre et Liverpool. Eh bien, je veux dire là, nous ouais sur l'autre bagaille qui a fait malgré l'équipe là li gagné joue ça ou nan mel joue face à Liverpool jodi an la et dimanche Liverpool qui en net progression par rapport avec saison catastrophique yo te fait et yo te même manqué pas aller en Ligue des Champions. Nous ouais joue jodi an équipe là li joine football habituel li et li gagné ça là qui a joué au sommet de son art qui parmi meilleurs joueurs du monde actuel pendant le début de saison ça là et ce qui a fait l'obéille et senti équipe Liverpool là li nan yon meilleur niveau de loin que Manchester United mais son classique c'est choc football anglais c'est deux grands géants qui vont face à face match ça yo et deux équipes ça yo les vont affronter l'aller au-delà de football des potes bagaille capable de. Exactement. Et bon, alors, et Manchester United qui gagne un gros rendez-vous ça ensemble avec et Liverpool. Liverpool et DGA face avec Alisson Becker. Et dans le dernier jour, ça y est, gol DGA après, c'est bagaille inexplicable. Mais par contre, les non match qui est capable de faire des parades qui sont capables de graver et retenir la mémoire. Donc, c'est pas un gros match, un gros choc. Et équipe qui pi bon certainement c'est les mêmes qui a bien
Liverpool gagne cut avec éléments gagnants qui totalement différent avec United et qui Cristiano Vini exigiblement faut que je souligne qui t'a fait goal là ou pas la faire goal là ou obligé jouer sous lui mitan semaine là galé ça le faire mais on s'est à venir dans les sauter ensemble avec Argentin et puis bon de la tête il sort dans des atouts goal fait Palomino et puis bah victoire donc ça son joueur et ou obligé jouer avec même si bateau a poulé avec et si bateau a tout pour aller dans poa ou obligé aller dans poa ensemble avec lui donc c'est pas le choc ça qui va gagner en Angleterre. En Italie, Juventus Turin face à l'Internazionale di Milano et on va parler d'Italie tout. Gros match. La Juve, la madama, signora. Tout à fait. Donc, Juventus et qui tout ça. Et où ça mais go pour petite progression. Bon petite progression. Et Juventus depuis il y a sur 6 matchs là, il y a gagné. Oui, c'est 1-0. Non, il y a gagné. Oui, donc ça me dit comme ça parce que qui s'allie. Le d'accord, l'été nous trouver nos cette situation, lui pas de victoire, il était difficile pour le venir. Victoire comme commence à venir, il commence à rejoindre et appétit et pas oublier équipe là dans une situation très très difficile avec André a pu nous équipe là le petit football non le cas est plat non et sans repère sans inspiration comment pour président de André Agnelli Vini et Massimiliano Allegri c'est refaire qui nous fait Kaela avec même élément ça yo quand même ouais yo était mal débuté. Et il y a une reprise forme Koro et me senti Juventus retenir niveau pendant la saison ça okay. En Italie. En tout cas, c'est pas un gros match et c'est deux Italiens comme coach qui pourraient le face pour face. Massimiliano Allegri contre Kaela déjà. Et puis et Simone Inzaghi qui est le même qui est internement. Ils ont été dans le 3-5-2. Oui, Simone Inzaghi ont 3-5-2 pendant la joué belle football, c'est cute la donne. Ouais. Comme si. Ngeye bisou nego gade na ticket et konté sérieux ou nan moun tou fè promotion pour et schéma tactique ça et pour d'année qui saute passé là en pile et ceci li à l'aise la donne sans pas ou dit c'est nan moun tou qui remé jouer avec défense à 3 donc ça pas ou li c'est non 3-4-3 non 3-4-3 en fait et c'est pas quand même un bon niveau football entre la Juventus et terminant. Justement, bon, nous ne pouvons pas dire entre deux équipes ça y est, parce que c'est des équipes qui changent de coach, qui ont l'autre philosophie de jeu. Et nous espérons, et spectacle, nous prenons au rendez-vous pendant le week-end. En France, Marseille, Paris Saint-Germain. En Espagne, et Barcelone, Real de Madrid. Match qui va le faire à guichet fermé. Et Stade de Canon qui prend plein. Tout le monde est présent pour capable de suivre gros événement ça sans et Messi pour la première fois et depuis environ 15 ans et gros choc et puis en Angleterre les fans disent Messi c'est pas blessé non il pas là c'est là il pas là c'est aller toutes les classiques pour aller là oui c'est pas sans Messi Messi aller ailleurs aller dans Paris Saint-Germain et Liverpool Manchester United et puis Juventus était de Milan, même qu'il y a un paquet d'autres classiques dans l'autre pays, exactement. Ajax, PSV Eindhoven, gros match. Bon, faut suivre et aller. Et comme monsieur là, Sébastien, à l'heure. À l'heure, dans Ajax. Dans Ajax, qui a fait un gros niveau football. Donc, nous, on va finir et nous sommes prêts et match choc, ça a été gagné entre les champions Antiquio et on a parlé de Milwaukee Bucks. Et qui gagne Giannis Antetokounmpo, monsieur qui est vraiment hier bateau à couler ensemble avec Giannis Miami et pulvérisé. Ça a couru Miami 137 à 95 et 42 points de différence. 2 points de différence. Pas de match. Et pas de match. On rapidement et regarder comment ça a été hier et ça me connaît. Voilà, mais ça. Et Tyler Hero, monsieur, tire à trois points, il est excellent marqueur, il est très jeune, monsieur qui débat Libo James sans pile problème, et monsieur qui est inscrit 27 points hier au soir,
Giannis et Antetokounmpo, se fait 15 points et ils font un double quand même, 15 points exactement, se fait double double et monsieur prend 10 rebonds gain bam Adebayo, il joue 4 en dedans et Miami Heat, monsieur prend 13 rebonds et puis gain Chris et qui lui-même fait 4 passes décisives même avec mette équipe là, c'est Jimmy et Butler, oui, Jimmy Butler qui va et donc c'est sur point ça oui, n'a remercier chaque ami qui en bas live là et merci pour fidélité ou bah ensemble avec et plateforme Fernando Live mais c'est surtout avec émission en Paris Sport qui est déjà tapé bouton pour nous ensemble avec Dalens et Stéphane tape supervisé travail là pour le CVR Bakenton Anthony Eliatus et pour être capable de commenter information sportive pour nous. Rendez-vous lundi, bonjour à tout le monde. Et n'a précisé la partie de ce n'a pas rappelé ou pas haïtien acteur politique traditionnel yo depuis président Jovenel Moïse qui débrouille, Haïti pour tourner Manhattan. Je te dis, pas de kidnapping, pas de insécurité. Même leader traditionnel, nous battons des voix dans le dernier moment là, pendant. Si vous ne pouvez pas remettre pour monter le volume insécurité, monter le volume kidnapping, descendre le volume insécurité, descendre le volume kidnapping, viol, assassinat, nous partons de voir l'idée traditionnelle de Sayo qui te dit si Jovenel Moïse pas là, Haïti pas tourné, Manhattan, pas de kidnapping encore. Pas de insécurité, nous pas attendre voir l'idée traditionnelle sa yo dans toute calamité peuple haïtien a connaît dans le dernier moment yo. Si marché yo prend marché public, madame Sarah yo yo, pas qu'on qui sait pour yo prier avec l'argent pas qui n'a pas yo. Commerçant dans le secteur informel là, l'argent pas qui n'a pas yo, pas qu'on qui sait pour yo prier parce que yo pas capable d'aller dans le marché public yo. Nous pas attendez, voir leader traditionnel yo qui te dit si Jovenel Moïse. Pas là, Haïti va tourner Manhattan. C'est ça que fait. Nous-mêmes, dans le parti de l'ASPA, nous demandons au peuple haïtien pour le caler gel, pour comprendre que toute bataille que nous avons fait dans le pays, ce n'est pas bataille pour améliorer les conditions de la ville. Mais c'est bataille pour défendre si intérêt personnel. Nous disons peuple haïtien, allez plus mou, marqué, sauf que Naptiou, parti de l'ASPA, c'est parti par là, l'a toujours campé avec vous. Il a toujours accompagné pour Jovenel Moïse jouer une justice. Bien que nous ayons en pile inquiétude pour Jean-Pierre Ayala, si pas que Chita attendait, entre tout Haïtien qui a une petite conscience, eh bien, nous faisons carré
assassiné dans le pays. Parti pense pas profiter de la même occasion ça. Pour nous faut parler avec la communauté internationale là. D'abord appeler pour la communauté internationale là. Haïti c'est membre fondateur. Organisation Nations Unies en 1845. Alors, en 1945, et Haïti a joué un rôle important dans la rédaction de la Déclaration universelle de l'Homme grâce aux efforts inestimables du feu Émile Sélo. L'éminent sénateur de la République. Donc, à travers l'ONU, Haïti est membre de la communauté internationale. Et l'ONU qui a une mission pour garantir la paix publique, non. À travers tout le pays qui m'a mis, je dis à Haïti, en tant que membre fondateur des Nations Unies, peuple haïtien en danger, qui a un problème de sécurité, l'ONU est redevable. La communauté internationale à travers l'ONU est redevable à l'égard du peuple haïtien. Et nous ne participons pas sentir l'indigné par rapport à un comportement de mépris que la communauté internationale a gagné à l'égard du peuple haïtien. Parti ne pense pas indigné. Parti ne pense pas quoi si la communauté internationale là a une volonté pour accompagner le peuple haïtien dans la calamité que y a là. Phénomène insécurité, kidnapping, chômage, grand goût. Que c'est le dialogue inter-haïtien avec tout haïtien qui a une petite conscience que la crise haïtienne n'est pas capable d'arriver plus loin. Et si pas de dialogue inter-haïtien, ça n'a mené le pays vers une catastrophe politique. Pour finir, Parti plus pas en tant que signataire de l'accord du 11 septembre 2021 pour dégainer une gouvernance apaisée pendant une période intérimaire après assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, nous destinons à quoi ça, c'est justement pour avoir un apaisement politique dans le pays, pour avoir un apaisement social dans le pays, pour résoudre le problème de sécurité, pour avoir un gouvernement qui est inclusif, pour avoir l'autre conseil électoral qui était inspiré acteur politique yo, confiance. Nous estimons que Père Ariel Henry avait marqué pas en place avec accord que des
présenté par tout secteur de pays. Ce n'est que hier, PM Ariel Henry prend une décision pour le changement qui fait dans cette police-là. Parti de l'espace, nous prenons acte, nous obtenons résultat, nous avons un nouveau chef de police-là. C'est le résultat que nous obtenons. Sous base, parti de l'espace, en tant que signataire, accord 11 septembre 2021, mandé PM Ariel Henry pour prendre toute disposition pour mettre accord 11 septembre 2021 en application. Que c'est le dialogue inter-haïtien avec tout haïtien qui a une petite conscience que la crise haïtienne n'est pas capable d'arriver plus loin. Et si pas de dialogue inter-haïtien, ça, n'a pas mené le pays à vers une catastrophe politique. Pour finir, parti principal, en tant que signataire de l'accord du 11 septembre 2021, pour dégainer une gouvernance apaisée pendant une période intérimaire, après assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, nous décidons à quoi ça, c'est justement pour avoir un apaisement politique dans le pays, pour avoir un apaisement social dans le pays, pour résoudre le problème de sécurité, pour avoir un gouvernement qui est inclusif, pour avoir l'autre conseil électoral qui est inspiré, acteur politique, yo, confiance. Nous estimons que PM Ariel Henry a marqué marqué pas en place avec accord que tu es présenté par tout secteur de pays. Ce n'est que hier, PM Ariel Henry prend une décision pour le changement qui fait dans cette police-là. Parti de l'espace, nous prenons acte, nous obtenons résultat, nous avons un nouveau chef de police-là. C'est le résultat que nous obtenons. Sous base, parti de l'espace, en tant que signataire, accord 11 septembre 2021, mandé PM Ariel Henry pour prendre toute disposition pour mettre accord 11 septembre 2021 en application. Ça va PM Ariel Henry remplacer tout magistrat qui n'est pas capable de faire travail avec le peuple là, que PM Ariel Henry remplace. Et ceci, ça met du temps. Il faut gagner un autre conseil électoral après le gouvernement fin de monter et pour problème insécurité, kidnapping non, résoudre. Nous-mêmes, nous voulons aller à l'élection. Il faut que le pays retourne à l'ordre constitutionnel pour qu'il y ait des autorités qui gagnent légitimité pour adresser le problème peuple haïtien. Merci. Pas gagné ni de l'histoire pour le faire. C'est accord 11 septembre 2021 pour le mettre en application pour gagner un gouvernement qui est plus inclusif avec des personnalités qui gagnent sensibilité populaire pendant l'appliquer accord 11 septembre pendant l'effet. Pendant la mettre un gouvernement qui plus inclusif en place, la continuer à tendre la main par tout notre secteur dans le pays, même qui ont une petite conscience. Bon, bon monde qui n'a jamais gagné conscience et qui
C'est dans chaque situation est là, c'est comme ça que je sens confortable. C'est là que je fais plus l'argent. C'est là que il y a une pile d'insécurité. C'est là que je fais plus l'argent. Nous-mêmes, nous demandons, à partir de ce pas, application, accord, 11 septembre 2021, pour gagner un autre gouvernement qui est plus inclusif, un autre conseil électoral, pour adresser le problème d'insécurité, et pendant tout ça, à fait, Père Ariel Henry a continué à tendre la main par tout notre secteur dans le pays, mais à toi qui gagne une petite conscience. Une situation exceptionnelle, à toute situation exceptionnelle, implique des décisions d'État exceptionnelles. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous capables. Rejoignez-nous dans le cadre de la dernière sortie pour ce maintenant. Et moi-même, c'est vers Mackinson ensemble avec Sonny Eliatus. Nous parlons de bon moment, on a parlé de football et pourquoi pas. Basketball, nous saluons Kenny ensemble avec Dalens qui a moyen bouton pour nous. Et Stéphane Pierre a pas fait toute la coordination. Bienvenue tout le monde qui en bas live. C'est un plaisir pour nous capables de rejoindre nous sur la plateforme Fernando Live dans le Paris Sport. Bonsoir Sonny. Bonsoir Mackinson, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous capables de présent après-midi pour ce qui est. Les dernières sorties en bas des sports sur la plateforme Facebook Fernando Live View. Nous espérons pour parler en pile boule, puisque le week-end est vraiment chargé. C'est un week-end de classico. Week-end était chargé, week-end classico, week-end choc, qui donc c'est pas le week-end, et qui va rempli ensemble avec gros match de football et qui t'a supposé. Et fait nous-mêmes, si c'est papa Boïsite, vive un bon moment dans le football là. Donc, nous avons pour nous capables de faire le point sur le classico et capable pour faire dans le pays d'Espagne, Barcelone, Real Madrid. Et nous avons pour nous capables de regarder ça en détail. Et pourquoi pas en France, et pas puisque par le gagnant par Saint-Germain, et capable pour jouer et contre équipe. Marcel qui a perdu plume dans le championnat européen. Marcel, 3 sorties, 3 nuls. Donc, Marcel, quelque part, qui est nul. Eh bien, nous avons pour nous capables de regarder ça ensemble. Nous avons bientôt pour nous regarder quelques chocs qui a fait tout dans le pays de l'Angleterre. Pourquoi pas, nous avons pour nous analyser les matchs qui a plus important dans le 5 championnat majeur. Européen yo n'a gagné et pour capable et font petit coup de parler de Karim Benzema puisque gagné Carlo Ancelotti qui c'est coach là ce qui parlait de Carlo et de Karim Benzema pardon et Karim Benzema je dis c'est pas ni les mêmes ni Karim Benzema pour le ballon d'or mais pour les mêmes et Karim Benzema c'est une favori et pour capable et remporter édition ça. Et puis, hier au soir, tu as gagné plusieurs matchs au basket. Nous avons fait un basket tout petit, je vous fais là. Et avec un pilote d'information qui va le faire essentiel. Et dernière sortie pour ce moment. Justement, on va parler en pile boule. Je vais nous annoncer notre titre là, Mackinson. Et vous pouvez ça après vraiment gâté avec un pile gros match, bien entendu. Et sur le papier et puisque il y a des équipes qui pas vraiment dans forme habituelle yo ça a été représenté et dans le temps par exemple un classique et Marseille Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain depuis plus passé bon depuis environ 10 ans c'est équipe dominante dans Ligue 1, c'est l'équipe qui remporte plus de titres. Malheureusement pour Marseille, ils ne pas jamais capable de joindre. Ils ont effectif pour être capable de rivaliser l'équipe parisienne malgré l'arrivée de Franck Macout comme responsable équipe ça qui gagne en pile l'argent, mais il est pour capable de et d'amener les pions ensemble avec les dirigeants parisiens pour
te capable remettre Marseille sous rail, même Jean Sartegué avec et président et Marseille malheureusement qui s'est mouri dernièrement, qui grâce à lui et qui était bien à tapis, grâce à lui qui devrait permettre à Marseille de remporter et Coupe d'Europe et Ligue des Champions bien entendu en 1993. Donc et Marseille pas et yo force de frappe pour être capable bailler fil à retordre avec équipe Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain qui renforce la saison ça avec la vie de plusieurs joueurs importants là-dedans, yo Léo Messi passer des présentations à Achraf Hakimi ou Donnarumma, malheureusement c'est Sergio Ramos qui pour jamais capable jouer et Wijnaldum qui est un poste inhabituel en et rival en équipe Paris Saint-Germain qui c'est un remplaçant et yo prend Nuno ou Mendes qui sont jeunes latéral très intéressant et avant il y a déjà gagné les Neymar qui en Mbappé et bonne nouvelle là pour lui Neymar qui guérit au niveau d'adducteur et qui a gros problème au niveau d'adducteur monsieur qui est capable de guérir ça donc l'Oréal joue avec une équipe qui est remplie de deux joueurs des niveaux de classe mondiale et puis pendant ce temps et c'est dans Dimitri Payet etc c'est joueur ça yo gagné et faut que équipe ça est capable unir faut que capable de solidarité énorme faut que capable jouer un match à cœur match et fio pour être capable de défier équipe Paris Saint-Germain même que jusqu'à date équipe Paris Saint-Germain beaucoup fait peur équipe Paris Saint-Germain beaucoup joindre et alchimie, il faut comprendre, mayonnaise, il faut comprendre.